Salut tout, on se trouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. On continue notre partie en Californie avec les chercheurs d'or. Dans le dernier épisode, on avait validé le chargement d'or. Maintenant, on a un truc un peu nettement plus compliqué qui est de monter drastiquement la population de Carlson City, de Noville en général, pour avoir la possibilité d'écouler de l'alcool. Et de nos villes en général encore. San Francisco et Los Angeles, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas considéré comme une liaison express, alors qu'il y a un seul train sur la voie qui doit pas être dérangé, franchement. Il a même sa station ici pour se garer tout seul. Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Et il rapporte de temps en temps beaucoup, de temps en temps nettement moins. Bref. Je vais le laisser et peut-être qu'un jour ça le débloquera tout seul pour une raison que je ne comprendrai pas. On avait également à la fin du dernier épisode connecté le tissu à Sacramento, train de musée. Hop, allons-y. Et maintenant on en a besoin de légumes, super, et de lait que j'irais bien connecter à cet entrepôt. Un des deux, je sais pas lequel. Ça sont les deux pointent vers. Celui-là il pointe vers les deux. Celui-là il pointe pas vers les deux. Pour l'instant. Faudrait que San Francisco grandisse un peu. Après, ils ont pas besoin de lait. Donc l'utilité se discute. Ah, voilà un peu de tissu pour San Francisco. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il me faut une petite gare. Et que il faut que je tente d'avoir le moins d'obstacles possible. Là on est très en hauteur. Là, nettement moins. Donc je me dis, je pourrais même me connecter comme ça. C'est un poil étrange, mais je me demande si c'est pas le meilleur truc, la meilleure option. Alors, toi tu sautes, toi. On est pas mal comme ça. Bon, il y a 12 sur la fin du trajet, on va dire que c'est pas grave. De toute façon, la porte est dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. Bon, c'est pas très grave. Ça coûte vraiment pas cher, on va la faire. Dollar d'engraissement. Ah oui, et puis c'est un entrepôt qui a la bonne taille aussi. C'est important. Toc, 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 toc. Dans l'autre, il faudrait que je l'agrandisse pour pouvoir stocker du lait. On ajoute une locomotive. Et roule ma poule. Pour San Francisco, ça va être très chouette. Pas de mauvais état. Ah, à l'entrepôt. On va construire un bâtiment de maintenance. D'ailleurs, je pourrais en faire n'importe où. Ok. Alors, est-ce que ici, on a bien. Hop, c'est pas le bon. C'est le bon. On a bien plein de légumes. Nickel. Légumes qui vont permettre à la ville de s'agrandir. Cette ligne-là, pour pouvoir transporter du lait, il faut définitivement que je la double. Voilà, le pont coûte nettement moins cher parce que c'est des voies parallèles. On va imposer un sens de circulation. Et je me dis que pour l'instant, juste deux trains sur la voie, ce sera suffisant. Mauvais état, mince. Ah, c'est toujours le même. Là, il part plein. On manque de bétail aussi. Moi, je suis plutôt content de ma connexion par là. Après, il va falloir que je vienne brancher Carlson City.
On va l'appeler CC sinon. Carson City. Ça roule cette voie-là. Ouais, c'est pas une très rentable, mais j'ai besoin de faire grandir la ville. Et Reed Manor, Carson City, elle rapporte quasiment rien. S'ils ont de l'or à écouler. Et ils prendraient bien de la viande. Matériaux fonctionnels, je m'en doutais. Je l'avais oublié. Et si c'est connecté, il y en a même une là. Ici, il n'y en a pas. Hop. Body, est-ce qu'elle grandit un peu avec sa viande? Pour l'instant, on est très sat... les gens sont très satisfaits. Alors, on va établir notre tunnel qui va connecter Carson City à Sacramento et à San Francisco. On va le faire en plusieurs étapes. On va commencer par faire un truc comme ça. Ça coûte moins cher, en même temps ça va augmenter le dénivelé potentiellement drastiquement. Allez. Après, je vais le doubler pour faire un gros flux tout de suite. Quitte à avoir le tunnel, autant qu'il serve beaucoup. On va le faire passer au-dessus par là. Et à Sacramento, je ferai bien une petite gare exprès. Très cher en pont ou très cher en tunnel. Oh. Tant de dénivelé. Aïe aïe aïe, ça pique. Je peux tenter de déplacer un peu la gare. Sachant que Carson City va avoir de l'or affilé à San Francisco. San Francisco et Sacramento, ils vont avoir des gens à amener à Carson City. Qu'est-ce que Carson City aurait amené à Sacramento? Pas grand-chose. Si ce n'est de la bière. Mais il y a déjà Saka qui doit fournir une quantité importante. Ah, avec beaucoup de valises aussi. Ouais, ils saturent en bière, ils en ont pas besoin. Donc j'ai peut-être pas tellement besoin. Si, j'ai besoin de les connecter pour le flux de passagers, peut-être. Bref. Si je tentais de les connecter juste comme ça, qu'est-ce que ça donnerait en longeant si possible les voies? Si ça ferait un gros pont bien cher, par rapport au tunnel, ça coûte pas excessivement cher. Et dans la mesure où je peux le doubler, ça me paraît pas être une dépense trop importante. Sachant que de toute façon, faut que je fasse du pont. On peut réduire le coût en augmentant le dénivelé. 17%, c'est beaucoup. Alors que là, on est à du 9%, 10%. Oh, pourquoi? Ah, parce que le gros du dénivelé, il se fait là. Ok. Alors, toujours sur du 9%, 12%. Je pense qu'on va rester comme ça. Ok. Attendons un peu. D'avoir plus de sous. Après, je dédoublerai la voie et on mettra peut-être 5 trains en fonction sur cette ligne. À Sacramento, il pourrait filer du tissu. À Carlson City. Carlson City n'en a pas encore besoin. Ça monte pas mal. Ah, body niveau plus élevé. Super. Ils sont bien satisfaits depuis qu'ils sont connectés avec Los Angeles. Et Los Angeles, ils sont moyennement satisfaits.
Parce qu'ils n'ont pas de blé. Ni de bois. Malheureusement, j'en ai pas vraiment proximité à leur apporter. Bon. Pour l'instant, faut surtout que je fasse grandir Carlson. Et le reste, on verra. Et puis, il faut que je fasse grandir des villes en général pour lancer ma prod d'alcool. Ça, j'aimerais bien que ça se fasse. Peut-être qu'il me faut juste un train plus rapide. Genre celui-là, 75, c'est pas mal. En vitesse, l'autre, il était à 60, c'est pas mal. Université, ça va se faire si la ville grossit. Et 8 villes, ça va être un peu compliqué à mon avis. Alors, la voie, c'est bon. Le duplicage de la voie. Ça voudrait dire qu'on va rester le plus tranquille possible sur cette voie de la gare. Et après, tac. Ça coûte 300. Ça doit être le prix de faire la voie classique. Puis voilà. On accélère un peu. Ah, j'ai encore des intérêts à payer. Ah, ça me fait penser que je pourrais juste prendre un emprunt et on n'en parle plus. Ça se trouve, je peux prendre un emprunt qui rembourse l'autre et qui me permet de. Ouais, c'est ça. C'est bâti. Ensuite. Je peux me placer là. Ils ont une tour d'assemblage. Et maintenant, il me reste plus qu'à mettre des trains qui vont faire. On va les mettre dans ce sens-là. Et je pense que là, un train mixte serait assez adapté. Non, un train de marchandises plutôt. Avec un peu de traction. Pour arriver à passer le dénivelé quand même un peu important par là. Bon, c'est pas mal, ça roule. Deuxième. En plus, San Francisco va pouvoir écouler ses quantités de viande importantes. Troisième, allons-y. Maintenant, c'est des passagers qui vont compléter. Innovation. J'achète d'autres trucs avant. Entretien des tiens, des trains. Puissance des locomotives, ça va être utile. Et un quatrième. Là déjà, on va être pas mal. J'en ai deux que j'ai lancé un poil près. Ils vont s'attendre l'un à l'autre. Le deuxième va attendre le premier surtout. C'est pas très très grave. Ah, ça c'est une ligne express. Ça c'est toujours pas une ligne express. Oh. J'ai un. Qu'est-ce qui me permet lui? Réduire les coûts de travaux de tous les bâtiments. Les coûts de travaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il réduit les coûts de tout ce que je veux construire? Yeah, ok. J'aurais dû l'acheter depuis longtemps. Alors. J'ai pas intérêt à les connecter aux légumes pour l'instant. J'ai avec la viande. Ah, il leur faudrait du tissu quand même. On va. Qu'est-ce que je vais faire exactement? On va partager cette voie et la connecter ici. Hop. Ça frotte, oui, ça frotte. Hop. Et on va rajouter une. Oups.
C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Petite intersection. Hop, on va s'assurer que le sens est bien respecté. Ici, on va leur dire qu'ils peuvent se mettre en pause à cet endroit-là. Oh, il y a un oiseau qui est passé. Et ici, ces messieurs, on va s'arrêter là, ils vont s'arrêter à la tour. Ces messieurs, ces trains plutôt. Et on va faire un nouveau train qui va faire Sacramento Carlson City en essayant de monter si possible du tissu avec une locomotive à du mixte. Ah, il n'y a pas de tissu, ok. Il devrait pas trop gêner le train de marchandises. Tant qu'il y en a qu'un sur la voie, il devrait pas trop gêner les autres non plus. Et il devrait permettre d'amener un peu de tissu à Carlson City pour continuer de booster la ville, tout simplement. Ah, la ville a grandi encore. Je peux faire un bâtiment. En même temps, elle est un peu au centre de tout mon réseau ferroviaire. Donc elle bénéficie de plein de choses. Je pourrais faire un bâtiment pour. Ah non, c'est pas une usine encore. J'ai pas plein de choix. J'ai beaucoup de sous. Il serait peut-être temps de rajouter des trucs. Parce que je suis en mode rapide? Non. Ok, c'est juste maintenant que je gagne beaucoup de sous. Alors, je ne sais pas si dupliquer la ligne Body Los Angeles serait utile. Pas tellement. En revanche, Los Angeles grandit pas. Elle grandit pas. Ça m'embête. Je pourrais les connecter au blé de Campbell Farm. Je vois pas tellement d'autres solutions miracles. Alors, comment on va s'en sortir? Je pourrais faire un truc comme ça, une grande section commune. En même temps, c'est pas comme s'il y avait un grand trafic de train. Donc ça, je peux pas te le permettre. Ou alors. On va faire ça poil plus sérieusement. Et réduire la grande section commune autant que possible. Voilà. Voilà, sinon. J'ai un bonus de connexion pour Yuma. On va le faire. Désolé Yuma, c'est vraiment mal placé. Finalement, je ne vous connecte pas. Campbell Farm, Los Angeles, en chargeant en priorité du maïs. Non, c'est l'inverse. Je sais pas si je vais interdire le maïs, mais avec une belle loco qui va partir bourrée de blé. Et roule ma poule. Shasta, niveau plus élevé. Oh yes, ils ont fait une scierie. Génial, j'aurais pas pu rêver de mieux. Maintenant j'ai suffisamment de sous pour commencer à acheter des bâtiments si besoin. Alors Carson City, il faut vraiment que je monte. Alcool, j'ai pas commencé. Je pourrais les connecter à du bois. Petit plus. Là. On va faire grandir la gare. J'ai des sous autant qu'ils servent. On va virer cette interface là. Le raccorder là.
tunnel. Si on peut l'éviter, on l'évite. Ah, des signaux. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Désolé, il y a un peu de bruit chez moi. Alors, Carlson City. C'est parti. Alimentons-les en bois. Ils sont déjà très satisfaits. Il leur manque du tissu. Après, il leur manquera du lait, des légumes et des fruits. Le problème d'avoir connecté le lait à cet entrepôt, c'est que ça va être la galère pour aller connecter à Carlson City. Mais ils auraient besoin de sucre et de lait, donc ça fait une raison de les connecter. Si possible, j'aimerais juste les alimenter en légumes. Et on dit que c'est bon. Je pourrais faire un tailleur et réclamer la marchandise de Sacramento. Et pour en distribuer où après, ça je ne sais pas trop. Ou alors je commence tout de suite à faire une distillerie, mais ils sont mal placés par rapport à d'autres. Ils sont loin du sucre et un peu loin des fruits. Ils sont pas reliés à Sachta, alors qu'ils pourraient. En même temps, si je fais une distillerie, je peux tout de suite les connecter à l'entrepôt 1 et 2. Toc toc toc. Ce serait quand même tellement plus pratique que ce soit Sacramento qui le fasse. D'ailleurs, il n'y a que Sacramento qui a besoin d'alcool pour l'instant. Sacramento ou San Francisco d'ailleurs. San Francisco, je suis déçu, il monte pas très vite. Faudrait du bois ou du blé. On pourrait piquer dans le blé de quelqu'un. Red Manor, il pourrait se connecter ici et aller alimenter Sacramento et San Francisco. Ça permettrait de faire monter San Francisco. Deux villes importantes sont désormais reliées par un train Ah, express. bon, c'est un peu aléatoire. Si, je leur ai mis le nouveau train qui tue ou pas? Non. 66 km/h. J'ai pas encore acheté le 75. J'ai 1 million. Waouh. Faut vraiment que je gonfle mon réseau. Avec tous ces sous, on va rembourser notre dernier emprunt. Et ensuite. Ensuite. San Diego, il est pas très bien desservi. Alors, j'irais bien connecter Body à d'autres gens. Je connecterai bien Kingman à Body. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix. On peut amener du sucre à Sacha. Ça déjà. C'est. Et peut-être même des légumes en fait. Ah bah oui. C'est pas l'autre sans passer. Toc toc. Hop. On va faire gonfler la gare.
On va changer ces deux lignes. Pourquoi tu fais des zigzags comme ça, toi? Reviens droit, yes. 8-8. Ok. 6-6. 6-6-6-6-6. Hop. Bâti. Ensuite, signe. Nouveau train. Smith m'amène là. Pour ça, il transporte que du sucre. Ce sera pour plus tard les légumes, apparemment. Ok, ça va rapporter un peu. Carlson City, on pourrait faire des planches, tout simplement. Hop, pardon. Construction d'industrie. Comme ça, j'amènerai des planches jusqu'à San Francisco. Est-ce qu'ils ont besoin de planches? Je pense pas. 60 000. M'arrange pas. Alors, toi, t'es bien sympa de m'offrir une prime. Je compte pas vraiment profiter de ton bonus. Los Angeles, est-ce qu'ils ont... Ils ont pas mal de monde. On va mettre une petite gare ici. Ou est-ce qu'on tire aussi les fruits? Pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, comment je vais me dépatouiller? Comme ça, par exemple, 19, ça pique, hein, mais. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas assez de monde pour demander du sucre, mais ça va arriver d'ici peu. Body Los Angeles. 21 gares reliées, très bien. J'ai envie de refaire la connexion Body Los Angeles pour que ce soit un truc à double voie. Autant que possible. Et ces deux lignes-là, elles finissent par fusionner. Ok. Donc, signaux. Ici, on circule que dans ce sens-là, ici, dans l'autre. Et on a une belle section en commun qui débouche. Alors, tout est utile. En mode interdit, hop, voilà. Du coup, maintenant sur cette section en commun, je peux venir greffer d'autres trains ou dupliquer certains. Est-ce que Body, elle a besoin de plus de viande pour l'instant? Oh là, ça m'a fait peur. Hein. Je pense que c'était le bruit de la panne. Ok. En fait, j'aimerais relier Kingman à Body. Ou alors San Diego. Quitte à avoir fait tout le trajet, autant aller jusqu'à San Diego, moi je dis. On va faire grossir la gare.
Est-ce qu'il y a cet obstacle-là? Comment je vais faire ça, moi? Première possibilité, ce serait comme ça. Je pense que c'est l'idée qu'on va garder, moins les tunnels. Est-ce que je peux pas passer là? Non, c'est trop fin. Ça fait un beau pic, malheureusement. Cet endroit-là. Comment ça monte encore plus? C'est aussi près que possible. Très bien. Quand on revient se joindre, je demande d'arriver là. On va doubler cette partie-là également. Alors. Tour d'assaut. Je vais refaire ce bout-là. Oups. Bon, tant pis. Hop. Donc, je veux une connexion ici. Ça, c'est pas discutable. Là, comme ceci, par exemple. Et ensuite, là, je ferai bien un truc du genre. Ça se branche à la fin. Ah, j'ai encore fait une bêtise. Ce que j'aurais voulu faire, c'est d'abord on se connecte jusqu'ici. Ensuite, on fait la petite section solo. Oh, ça fait peur. Du coup, sur le sens de circulation. J'ai tout cassé. Ok. Donc, de ce côté-là, avant de sortir, on attend la permission. Avant de rentrer. Ah, il squatte la même. Pas bien ça. Les mettre sur deux différentes. Avant de sortir, on demande la permission. Ensuite, il faut qu'on puisse. Allez dans les deux côtés. Donc, on roule droite. De ce côté-là, c'est pareil. Ici, on arrive de la gauche, de la droite. Et cette longue ligne. Elle est à sens unique jusqu'ici. Ou ici, il y a un court passage qui n'est pas à sens unique. Pour que eux puissent aller dans les deux directions. Tandis que là, on est à sens unique. Hop. Je pense que c'est bon. Toujours Body Los Angeles, Campbell Farm Los Angeles. Il part bien par ce petit morceau-là. Donc, du coup, Body Los Angeles circule vide. C'est une blague, attends. Body Los Angeles. S'il circule vide, on va pas lui mettre grand-chose. Ah. Finalement, il circule plein. Et on va faire Los Angeles Body, juste pour pas qu'ils partent en même temps. Un dragon. Hop. Nickel. On est pas mal. Et du coup,
Ma voix de San Diego. Ici, on est d'accord qu'on ne quitte Scott Manoir. Non, pas d'accord. Oups. On ne quitte Scott Manoir que quand c'est utile. Et on se penche comme ça, par exemple. Là, avec un signal de pause là, un signal de pause là. Du coup, cette section là, je peux la faire longer de ce côté-là. Juste va venir me brancher au bon moment. Ce qui va demander un embranchement comme ça, et ensuite vendu. Alors, avec obligation de s'arrêter avant. C'est dans l'autre sens. Du coup, on va le mettre le plus près possible. Hop. Cette section-là, c'est normal. Ici, du coup, il y a un petit bout où il n'y a pas sens obligatoire. Et je peux pas placer de panneau. Bon, c'est pas très grave. Il manque un signal à ce niveau-là. San Diego, Bodyferme. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans le suivant pour dépenser mon 1,5 million.